L'homme du match, c'est qui pour toi? Doucement, doucement.
Attention. Frappe. Bien sûr, mon gars. Super, putain. Ben voilà le résultat des courses, on est qualifié pour le prochain tour, donc c'est très fier de mon équipe, voilà, c'est une grosse fierté et on va porter les couleurs mâconnaises haute et forte dans la région. Voilà. Bravo président. Merci. Ils auraient pu égaliser à tout moment, mais on a su rester solide et on est fiers de ça. Ouais, mais malgré ça, ils n'avaient pas concédé beaucoup d'occasions, quoi. C'est là où on arrive à être assez bon, c'est que malgré le fait qu'on soit en bloc bas, eux ils sont là et ils font difficilement des occasions franches, on va dire. Mais ils nous mettent quand même en difficulté, certes, vu qu'à la fin, on peut voir la plupart des joueurs avaient des crampes. Mais on a réussi à tenir le bon bout jusqu'à la fin. On est vraiment fiers de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Comme quoi, avoir la possession, c'est pas gagner un match. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, on l'a prouvé. Et on a aussi prouvé que l'équipe, le groupe qu'on avait à l'heure d'aujourd'hui, pouvait jouer plus haut. Je pense que venir gagner chez le leader de N3 comme ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. On a un petit message à la Bourgogne. C'était très coupé, c'était très dense, il y avait beaucoup de monde. Il fallait jouer vraiment juste, presque à l'instinct, être plus spontané. Voilà. Ce qu'on n'a pas su faire parce que offensivement on est un peu grippé. Donc on n'a pas cette fluidité qu'on avait au début de la saison sur le domaine offensif. Donc voilà. Justement, quand vous avez travaillé toute la semaine et qu'au bout de 5 minutes il y a ce carton rouge, qu'est-ce qu'on se dit Ça arrive parfois en foot. Voilà. Après, il faut envisager tous les scénarios. C'est vrai que ça arrive vite. Sur un pressing mal fait de notre part, on a au moins 3 ou 4 joueurs qui vont au ballon. Et Macon joue bien le coup sur cette action-là parce qu'ils arrivent à sortir du pressing et après il y a un boulevard. Quoi. Après, comment vouloir à Jérémy? Ça serait malvenu de la part du club ou de ses partenaires. Ça serait vraiment malvenu. Voilà, il fait une faute parce qu'il pense que le garçon va au but. Après, le carton rouge n'est pas trop discutable. On va pas s'alarmer là-dessus. Mais voilà, la faute, elle n'est pas là. Elle est sur le pressing où on passe tous à travers. Il y a 5 joueurs, je regarde la vidéo, mais il y a 5 joueurs qui passent au travers. Derrière, il y a un boulevard. Voilà, une erreur qui est lourde de conséquences. Parce qu'en plus, sur le coup franc, elle est déviée par le mur pour corser le truc. Voilà, elle est déviée par le mur et puis elle prend un contre-pied Oumar. Donc quand ça part comme ça, on se dit « Ah, ça va être dur ». Donc on a bien démarré, on voulait faire ça, on savait que ça risquait de se passer comme ça. Si on arrivait à bien utiliser le ballon et à casser leur pressing, on allait pouvoir avoir des occasions. Ce qui s'est passé. Oui. Après, on a continué d'essayer d'utiliser le ballon et puis arriver sur les 10 dernières minutes, un petit peu plus difficile. Mais on n'a pas concédé d'occasion non plus. En première mi-temps, 0.
mi-temps, en deuxième mi-temps un peu. Deuxième, il y en a deux là, pour quelques moi la frappe. Ouais. Non, on fait un match très abouti, on a fait ce qu'on a voulu faire, les joueurs ont été incroyables d'efforts et de maîtrise dans les principes tactiques, les déplacements, c'était bien, très bien. C'est un match abouti là. Ouais, c'est plutôt abouti puisqu'on joue contre un adversaire de grande qualité, ils avaient vraiment une bonne équipe. Je trouve qu'on est très solidaire et réfléchi. Ouais. On ne fait pas que courir, on réfléchit comment on défend et on le fait très bien. On est très, très satisfait, on a fait une très bonne prestation en démarrant le match vraiment comme on souhaitait le faire. Les joueurs ont vraiment été à la hauteur du moment et ont été supérieurs à notre adversaire dans l'entame et dans les 30 premières minutes. Après, en deuxième mi-temps, à 10 contre 10, on a souffert et on a tenu, on a été très réfléchi sur l'aspect défensif. Donc c'est bien, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, on est très heureux de se qualifier pour nous, parce que les joueurs font beaucoup, beaucoup d'efforts, mais aussi pour les dirigeants, les bénévoles, les enfants du club, toutes les collectivités, que ce soit les mairies, ou même l'agglo de Mâcon, font mettre tout à notre disposition pour que tout se passe bien. Donc, on remercie vraiment tout le monde, les joueurs d'abord, le staff aussi, parce que Clément notamment travaille beaucoup, et le pôle médical. Et on est tous ensemble au 9e tour et je trouve que c'est pas volé.